Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Belgique, à Bruxelles, avec mon gars camarade qui a le fameux street la brigade. Bienvenue dans la maison, bienvenue parmi nous. Bien, alhamdoulilah, et toi, ça se passe? Alhamdoulilah. Explique-moi ton concept à toi, c'est quoi? Avant moi d'abord, on va présenter les autres, tu vois. Oh, c'est beau, c'est beau. Après, on se présentera. Là, on est où? C'est quoi cette place? Ici, c'est la place des Brookers. Regarde autour de toi, il y a des jets d'eau, c'est familial. Les gens, ils profitent ici. Il y a le fameux UGC, le fameux cinéma, le fameux métropole. C'est ici que tout se passe. Hey, j'ai remarqué, les Belges, vous êtes vraiment fiers de votre pays. Fiers. C'est un grand mot, mais alhamdoulilah. Isma, viens t'installer chez nous, mon gars. On a un temps d'avance, ou peut-être même on a ex-écho. Il y a un gomou chez nous ici. Il y a un gomou chez vous. Isma, viens t'installer, il n'y a pas de bouchon. Il y a quoi encore en termes de nourriture? Frère, je te laisse la surprise à chaque passage. C'est bien. Là, ça, c'est quoi encore? Pokawa. Tu vois ici, là, quand tu t'es pété le bide. Pokawa, mon frérot, bien healthy. Et des ramen en plus, ils ont ramené ici. C'est quoi ce bruit? Ça marche? Ça? Je sais pas du tout, c'est quoi, mon frérot. En tout cas, reste concentré. Et là, ça, c'est quoi? Ça devine ce qu'on ouvre ici. Tu vois ici? Ouais. Le frérot, il a préparé quelque chose de lourd, machallah. Daily Station, retenez bien ça. Sûr qu'on l'a déjà sur Paris. Ça? Je crois pas, frère. Je crois pas du tout, frère. Mais restez à l'affût, inchallah. Retenez Daily Station, ça arrive. Hey, ce mec, il est extraordinaire. Il est déter à montrer tous les commerces qu'il y a à ses alentours. Et là, c'est ça, c'est le mahal de mes frères Fila. Black and White. Venez, je vais visiter l'intérieur, c'est une dinguerie. Black and White, c'est le fameux truc de Ibra TV. C'est le master franchisé, frère. Je crois que c'est l'un des plus grands black and white que j'ai vu. Hein. C'est le plus grand au monde. Ok, il y a combien de places assises? Ouh. Plus de 200. Plus de 200, là, Iberica. On prend une petite limonade vu qu'il fait chaud. Oh. Allez, fraise melon, le meilleur. Ah ouais, ils ont fait un nouveau casse dalle à la bavette. Ah, la bavette, frère, c'est une dinguerie. Oh, genre de steakhouse, mais genre dans un fast food. Tu t'imagines? Oh là là, ouais, ça donne faim. Ah ouais, c'est avec des fraises fraîches et tout. Hein. Mais bien sûr. On fait ça bien ou on le fait pas. Ah, t'es mort, frère. T'as vu ça, c'est fait avec des fruits, frère. C'est ça que j'aime bien ici. Il n'y a pas de surgelé, ça, avec des fruits. Il nous a pas encaissé. On nous a pas encaissé, mon cher. C'est ça que j'aime bien, je sais, frère. La gratuité est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. Ouais. Et le goût est toujours meilleur, en tout cas. Alhamdoulilah. Je me lance pour cette fameuse limonade black and white. Ouais, dans de yellow. Il est archi bon. Allah ybarik. Ah non, la vérité. Non, déjà, il est très très beau. C'est pas parce que c'est mes frères, hein. On va pas mentir. Ouais. Hein. Avec le melon, tu te sens bien avec la fraise. Bon, maintenant, camarade, j'aimerais savoir c'est quoi Street Cap? C'est un fast food à l'américaine. C'est une base de frites, viande, sauce, légumes. Voilà Street Cap. Oh, ok, une sorte de poutine revisitée à l'américaine. Je vais rajouter ce petit mot là. American. You know? Mais n'oublions pas qu'on a un pain brioché maison fait par un boulanger tous les jours. Excuse-moi, le pain brioché c'est quoi? Il vient en dessous des frites? Non, je vous réserve la surprise. Vous allez voir c'est quoi le pain brioché. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. On n'est pas à Paname ici. Hein. On est à BX. On Paname pas nous. On est à BX. Hey mon gars, c'est donc ici Street Cap, hein? Street Cap, mais pas pour longtemps. Comment ça? On te réserve une de ces ouvertures, Inch'Allah, le 30 juin, avec le nouveau branding pour les franchises, nouveau design et plus grand, avec des places assises. Ici, vous allez fermer? Ici, on va fermer. Ok, vous allez déménager? On va déménager près du centre-ville, encore plus proche de vous. Là-bas, il y a des places assises à l'intérieur. C'est quoi l'adresse? Surprise. Ok, j'avais vu sur Instagram, quelle déco, quelle... Oh, c'est vraiment la street. Comment la déco, elle s'est faite? Ah, tu vas rigoler sur l'histoire, sur la déco. Subhanallah, pour te dire, ne négligez jamais une personne. Peu importe sa situation ou son train de vie, négligez jamais. L'histoire, elle est tout simple. J'ai vu quelqu'un dans la rue, je suis parti en faisant des tours, et j'ai vu un gars qui faisait du graphisme. Il faisait du graphisme, il n'était pas en bonne santé, mais alhamdoulilah. Il buvait beaucoup d'alcool. J'ai regardé son talent, de ce qu'il faisait sur le mur. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais ouvrir un fast-food à l'américaine. Est-ce que ça te dérange pas de me faire des tags? Le lendemain, il était en temps et en heure chez moi. Il m'a fait une dinguerie et on est parti en impro. Qu'avec des idées. Et regarde Allah ybarik à quoi le magasin ressemble. Et qu'est-ce qu'il devient ce monsieur? Ce monsieur, je l'ai pris avec moi dans le groupe. Justement, si on peut aider, pourquoi pas. Et il fait partie de l'équipe Street Cap. Là, alhamdoulilah, il fait partie de l'équipe Street Cap. Il s'est un peu repris en main. Il commence à être plus sérieux. Sa vie commence à devenir meilleure. Alhamdoulilah. C'est une belle histoire. Si toi aussi, en tant qu'entrepreneur, t'as besoin d'un graphiste ou un graffeur ou je sais pas comment on dit, je te mets tout en description, toutes les informations. Ah ouais. On a reçu nos fameux plats, sandwich, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais avant ça, je vous laisse avec ce petit clin d'œil pour Maxi Market. Vas-y, Sma, dis-leur. Désolé de vous couper dans la vidéo, dis-moi la brigade. Aujourd'hui, on est à Maxi Market à Orly. Et tu m'as tellement donné envie avec ces frites que j'étais obligé de venir ici en récupérer. T'as des potatoes, des frites en zip, des frites allumées, des tables, là, les frites. Bon, je vous laisse tranquille avec la vidéo, dis-moi la brigade. A plus tard, ciao, ciao. Merci à toi Isma. On disait là on a un sandwich et un plat à base de frites. Explique-nous cette histoire de plat avec des frites. Bah tu veux rigoler, c'est mon associé, il m'a appelé. On était en plein Covid. Personne n'osait ouvrir justement des fast food et lui il s'est dit vas-y viens on se lance. Et moi je dis le meilleur truc à faire pendant le Covid c'est d'ouvrir un resto. Frère par Allah je lui ai dit s'il y a quelque chose à faire c'est pendant le Covid. L'économie il est au plus bas, il faut regarder ce qui fonctionne. Et c'était la bouffe, c'était le fast food. Quelque chose de petit et que tu pouvais justement utiliser le potentiel. Et lui justement il avait un magasin de vegan. Vegan tout court. Mais tu m'as dit frites, viande. Bah oui. Mais la viande elle était quoi?
C'était falafel, c'était des viandes 100% vegan. Il m'a dit viens, on ouvre un resto. Mais tu sais, nous on est des suiveurs, on saute direct dans le bain, ouais. Tu vois. Et puis c'est là que quand il m'a présenté le concept, je lui ai dit écoute, il est trop simple. Tout le monde le fait déjà à peu près, mais on va le revisiter à l'américaine. C'est là que les idées sont venues, frère. Magnifique. La question que j'allais te poser, camarade, c'est qu'est-ce qu'il y a d'américain dans cette histoire? Les Américains, ils aiment bien tout ce qui est sauce chargée, cheddar, tu vois. Et nous on s'est dit ok, viens, on va le faire. Mais après, ça n'a pas trop bien pris au début parce que les gens, ils aiment pas tout ce qui est beaucoup de sauce, ouais, ça écœure à la fin. Donc on s'est dit, on va s'adapter au pays. On a vu que les Américains, ils aiment bien quand le plat il est chargé, quand il y a beaucoup de couleurs. Et on s'est dit, ah, pas mal ça. On va esquiver l'andalouse, on va esquiver les sauces qui sont connues et on va retravailler des sauces un peu à l'américaine pour que le visuel il soit présent. Et là, quand même, on a réussi à faire les deux. C'est vrai que pour l'instant, visuellement, ça donne grave envie. Là, est-ce que je peux me donner une fourchette? Je vais commencer par le plat avec les frites. Là, on va s'attaquer pour ces frites. Ah ouais, on peut percevoir les frites, là, ces fameuses sauces faites maison, des condiments comme les cornichons. Et là, on a une boulette de viande. Avant de déguster cette magnifique fourchette, je vais te montrer comment il l'a fait. Pour les frites, je vais remettre la sauce cheddar. Ok. Bien pile poil, 90 degrés au milieu, mon ref. J'ai pas compris, degré quoi? 90 degrés, bienvenue chez nous. Ah ouais, 90 degrés. 90 degrés, okay. Ouais, c'est bon. Sauce bleue, c'est quoi ça, mon ref? C'est la sauce blue magique, mon ref. C'est quoi? C'est la sauce blue magique, c'est une sauce live fait maison. Et on est reparti, mon ref. Tu sais, c'est quoi ça? Sauce violette. Ça, c'est une sauce purple. Ah ouais. Et c'est quoi, c'est la betterave? C'est une sauce Biggie retravaillée maison. Ici, mon ref, je vais te mettre la Black Angus. C'est la viande phare maison, ça. Ah ouais. C'est ce que les clients, ils aiment chez nous, machallah. Ça coûte relativement cher, ça, non? Très très cher et c'est du bœuf irlandais. Et là, mon ref, il y a la fameuse sauce street maison. C'est celui-là que tout le monde valide et tout le monde kiffe, machallah. Cette sauce, elle est faite maison aussi, hein? Cette sauce, elle est faite maison, mon ref. C'est à base de quoi? Ah, c'est sucré, tu vas te sentir au Brésil, mon ref. Maintenant que t'as vu comment il l'a fait, on va goûter ça. Le meilleur terme pour qualifier cette fourchette que je viens de prendre, c'est gourmandise. Généralement, tu prends des plats, t'as de la viande, tu kiffes, t'as ça, mais t'es avec du riz ou des haricots, tu ne veux pas forcément. Là, t'as tout ce que tu veux. Je vais pas dire tout ce qu'il faut pour ton corps, mais tout ce que tu veux. Des frites, de la sauce, de la viande, des petits crudités qui apportent un peu de fraîcheur. Franchement, le tout, ça passe. Ça, t'en manges un, je pense que t'es KO technique pendant quelques jours. T'as du cheddar, j'ai oublié le cheddar. Oh, wow, regarde-moi ça, mon ref. Ça, tu manges ça là. Pfff, c'est la sieste directe. Camarade, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'on voit beaucoup d'anciennes avec le nom street dans leur nom. Pourquoi toi t'as choisi de mettre street? Parce qu'on reflète justement un peu la rue. Tu te rappelles à l'époque foot de rue, ce que les 2000 ne connaîtront pas? Quand ça jouait au basket dans la street, c'est street dancer. Ça, j'ai pas parlé street dancer, j'ai pas connu par contre. C'était un classique à l'époque, frère. Tout le monde tuait des battles de danse. Tu voyais tout ce qui était street soccer, tu allais direct au parc pour essayer la même chose, même si t'étais claqué au sol. Tu trouves en plein milieu du grand Bruxelles, là, y a plein de gens en costard cravate qui passent depuis tout à l'heure, etc. Mettre le nom street comme ça dans ce quartier-là, t'as pas eu peur? Ah, la brigade, moi j'en suis très fier. T'es fier de la street? Ah, bien sûr. Et tu sais, il y a une règle de base qu'il y a dans la street. Tu vois le... J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Ça, c'est les règles de base dans la street. Ici, dans le fast-food, on reprend les mêmes valeurs que la street, mais différemment. Je ne regarde personne, je ne parle de personne et je n'écoute personne. Wow, j'avance tout droit. J'avance tout droit. Il est bon, là, il est bon. Là, on va attaquer les fameuses frites belges avec la sauce street maison, secrète comme d'hab par-dessus, avec des oignons crispy. Oh là là, il y a même des oignons confits à l'intérieur du sandwich. Oh, regarde-moi ça. Oh là 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 là. En fait, à l'intérieur, t'as vraiment de la pomme de terre, malgré que ce soit congelé. Là, je vais m'attaquer pour le fameux sandwich avec pain brioché. Avant de taper un coin intérieur, je voulais savoir comment il le réalise. Ça, c'est le fameux pain brioché, hein? Ah, le fameux pain brioché. Vous le faites ici? Il est fait par un boulanger, sur mesure en plus. Donc, celui qui veut recopier, allez-y. Là, c'est quoi, frérot? Tu vas mettre la fameuse sauce cheddar? La fameuse sauce cheddar, mon ref. Ah, juste pourtant, on va. T'es le premier belge qui m'a pas dit je vais mettre de la sauce andalouse dans mon sandwich. C'est tous les belges, ils me parlent de la sauce andalouse. C'est un truc de ouf. C'est quelque chose qu'on a effacé justement pour faire uniquement nos sauces maison. Ah, vous êtes toutes vos sauces maison? Toutes nos sauces maison. Pas la Hannibal, l'américaine. Ah, ça m'intéresse pas ça, mon ref. On en avait 12. Alhamdoulilah, on en a plus que 4. Bientôt plus qu'une. La fin, il n'en restera qu'un. Ok, et là tu mets de la mozza? Là je mets de la mozza. Là dans celui-ci c'est deux viandes mixtes. C'est deux viandes mixtes, c'est le combo Black Angus poulet, mon poulet mariné maison. Aïe, les petites oignons caramélisés. Ah ouais. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Là on est vraiment dans le street cap. Bismillah. Deux choses que j'ai envie de souligner dans ce sandwich-là, c'est le pain. Le pain brioché est super bon. Et deuxièmement, c'est la viande Angus. Elle a un petit goût, c'est super bon. Après, le poulet, il est assez classique. La mozza, on la sent pas forcément. Mais les deux points à retenir pour moi dans ce sandwich-là, c'est le pain et le bœuf Angus. Camarade, là, on arrive sur la fin de la vidéo. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en lumière Black and White, Gomu, etc., etc. Par rapport à mes valeurs, on m'a toujours éduqué que le bien que tu veux pour toi, tu souhaiterais avoir le même bien pour quelqu'un d'autre. Et tous les frères qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas un peu Bruxelles, bah, j'aime bien montrer d'abord le point de vente de mes frères à moi. Et puis, je présente le mien en dernier. Mais t'as pas peur
qu'il y a des clients qui vont chez eux et pas chez toi, etc. Tu peux pas avoir peur chez moi. Même si on est sur les mêmes qualités de produits, je suis fier. Même si on est sur le même projet, j'en suis fier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence dans mon cœur. Quand tu aimes une personne et tu veux son bien, mets-le en avant et toi en arrière. Ça, c'est mes principes et mes valeurs. Donc aujourd'hui, Black and White, c'est mérité. Le frère qui a ouvert le Gomu, c'est mérité. Et je souhaite le meilleur. Et Street Cap est un petit poisson qui deviendra Inch'Allah un requin. Ok, c'est beau ce que tu es en train de dire, mais t'as pas peur que eux, par exemple, ne feraient pas la même chose pour toi? Ah, Isma, qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas. Je le fais même pas pour eux. Eh, moi, je le fais pour mon créateur. Fais le maximum de bien autour de toi et le reste, ne calcule pas. Mindset et fonce vers l'avant. Voilà, je pose des questions pièges en mode Jean-Jacques Bourdin, tu vois. Les Français veulent savoir. Il est bon, il se défend bien. Et la caméra, pour finir cette vidéo, c'est quoi ton objectif? Bah, sincèrement, j'aimerais qu'on entende parler de Street Cap partout, Isma. L'énergie qu'on a fournie, le branding qu'on a fourni, tout ce qu'on a mis là avec nos valeurs et notre histoire surtout. Bah, sincèrement, ce serait une fierté d'entendre parler de Street Cap partout. T'aimerais le franchiser? Inch'Allah, c'est prévu. On a pas mal de demandes, mais d'abord, restons concentrés sur la marque. On verra au next level, Inch'Allah. Camara, c'est une très très belle après-midi. Merci infiniment, mon ref. Avec vraiment. Plaisir, mon frérot. Là, t'es le bienvenu chez nous et je t'attends encore le 30, Inch'Allah. Là, je vais rentrer en France, mais bientôt, je reviens en Belgique. Je vous promets, je reviens en Belgique. Ouais. Je vais revenir en Belgique plusieurs jours. Je vais essayer de faire le tour parce que j'ai vu qu'il y a plein de concepts. Et vous m'avez envoyé plein de messages. Merci infiniment. Là, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous. À la prochaine. Vidéo. Oh!